Il faut que j'aille là où on mange bien, là où on dort bien, là où on oublie tous les soucis. Allez faire les yeux. Non, surtout pas tes yeux, ma chérie. Surtout pas. Allez. Ah, stop. On tourne. Là. Maintenant, tu ouvres les yeux. Ouvre les yeux. Allez. Lis ce qui est écrit là. Appartement privé. Un jour. Un plaisir. Allez. Maintenant, je vais te demander encore de faire la même chose. Tu vas fermer les yeux, ok? D'accord. On avance bébé, on avance, stop. Tu fermes les yeux, n'ouvre surtout pas les yeux. Hein. D'accord. N'ouvre pas les yeux. C'est oui. Une petite mais aussi grande surprise. Reste là, n'ouvre pas les yeux. Promis. N'ouvre pas les yeux. Garde les yeux fermés chérie. Allez, maintenant, je suis en face de toi. Hein. Ouvre les yeux et tu me les gardes. Waouh! Wow. C'est pas fini, chérie, c'est pas fini. Reste là, reste là. Ma chérie, et c'est pas tout. Ici, tout est magique. Tout est magique, c'est pas tout. Regarde, regarde, regarde. Lumière! Waouh! Musique! Bienvenue, Komo et Faïda. Et c'est pas tout, c'est pas tout. Je te dis aujourd'hui. Waouh. Tu vois ça? Tu vois ça? Comment t'as fait? Un cœur? Oui, un cœur. Et on va dormir là. On a 24 heures devant nous. Jusqu'à demain, chérie. Tu vois? C'est quelle belle surprise. Et c'est pas j'adore. Tout. J'adore. T'inquiète pas. J'étais sûre que t'allais aimer. J'étais sûre que t'allais aimer. Encore une fois, ce n'est que la première année de notre rencontre. Imagine la deuxième année et la troisième et la quatrième. Chaque année, ça sera... une autre surprise encore plus merveilleuse. On va dormir là, chérie. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Touche un peu, touche, touche, touche. Tu vois? C'est très spécial. Oui. Très spécial. J'adore. Regarde. Ouais, des fleurs, cœur. Comme tu es mon cœur. Et c'est pas tout. On va voir autre chose. Allez, on y va. Oui, allô chérie? Oui, mon chéri. Oui, ma chérie. Dis-moi, tu fais quoi ce week-end? Écoute, si tu as besoin de moi, dis-le. Tu sais bien que quand il s'agit de toi, je ne peux pas te dire non. Même si je fais quelque chose, j'annulerai pour toi, chérie. En fait, ma mère organise un grand foutari chez elle. Elle invite presque toute la famille ainsi que les amis. Et j'aimerais que tu viennes avec moi. Tu es sûr de ce que tu fais? Oui, j'aimerais que tu viennes avec moi partager ce moment avec ma famille. Oui, mais tu ne m'as jamais présenté à ta mère. J'ai peur aussi que Machuma débarque chez ta mère. Je connais cette vipère. Elle est très méchante. Non, non, ne t'inquiète pas ma chérie, ne t'inquiète surtout pas. Ma mère l'a interdit de passer chez elle. Ces deux-là ne s'entendent pas. Plus, elle n'osera pas venir là-bas.